C'est maintenant l'heure de la période des questions. Le chef de l'opposition royale de Sa Majesté. Monsieur le Président, ma question est pour la Première ministre. Je ne croyais pas que ce gouvernement pouvait si mal gérer le système électrique. Mais nous avons appris dans le Toronto Star que les libéraux ont perdu 25 millions de dollars avec Windstream Energy. Cela n'inclut pas un autre 3 millions de dollars en frais légaux. Les contribuables doivent payer pour un autre scandale libéral. Ils ont décidé de signer un contrat de 5,2 milliards de dollars pour de l'énergie dont l'Ontario n'avait pas besoin. Et ils ont annulé ce contrat lorsqu'ils allaient perdre une circonscription libérale. Nous avons vu cette histoire auparavant. On dirait le scandale des centrales au gaz. Alors, s'il vous plaît. Veuillez terminer. Nous avons vu cette histoire auparavant. C'est très similaire au scandale des centrales au gaz. Alors, ma question est la suivante. Quand vont-ils arrêter d'essayer de sauver des sièges libéraux et penser aux contribuables de la province de l'Ontario? La Première ministre, je sais que le ministre de l'Énergie voudra parler pendant la complémentaire, mais pour parler de Windstream et la décision qui a été prise, je peux confirmer que l'Ontario a reçu l'avis du tribunal qui a décidé de ne pas répondre à la majorité de la demande et le montant qui a été donné était beaucoup moins que ce que Windstream demandait. Nous étudions la décision, nous comprenons que le Canada fait la même chose pour déterminer quelles sont les prochaines étapes. Nous avons une approche responsable avec l'énergie éolienne. C'est pourquoi il y a ce moratoire sur le développement et le ministre de l'Environnement finalise la recherche incluant les demandes pour décommissionner ces projets et il faut résoudre ces sujets avant d'aller plus loin. Complémentaire. Pour revenir à la Première ministre, on ignore peut-être l'article de Rob Ferguson à ce sujet, mais il est également dans le Ottawa Citizen. On dit que l'Ontario a payé 28 millions de dollars, encore une fois, pour une compagnie américaine d'éoliennes. Les libéraux ont déjà donné 6 milliards de dollars en énergie depuis 2009. L'Ontario a fourni de l'énergie à New York et la Pennsylvanie depuis des années. Et maintenant, nous payons les entreprises américaines pour ne rien produire, ne produire aucune électricité. Assez, c'est assez. Quand est-ce que ce gouvernement... Pourquoi est-ce que c'est juste pour les Ontariens de payer pour vos contrats? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. J'aimerais rappeler au chef de l'opposition, vous ne devez pas parler directement à la Première ministre, mais au Président. La Première ministre, le ministre de l'Énergie va parler dans la complémentaire finale. Je sais que le chef, la chef du troisième parti et le chef de l'opposition. J'ai dit troisième parti, mais je voulais dire le chef de l'opposition. Il ne soutient pas l'énergie renouvelable. À l'ordre, s'il vous plaît. Le chef de l'opposition ne veut pas admettre qu'il y a beaucoup de choses à faire encore pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans cette province. Et le fait de fermer ces centrales au gaz a été l'initiative la plus importante en Amérique du Nord en ce sens. Nous allons continuer de travailler avec l'industrie des énergies renouvelables. Il y a des dizaines de milliers d'emplois qui ont été créés et nous allons continuer de nous assurer d'avoir un système d'électricité propre en Ontario. Complémentaire final. Monsieur le Président, pour revenir à la Première ministre, ce 28 millions de dollars ne sera peut-être pas la dernière chose que nous entendrons sur ce scandale. Le tribunal qui a décidé de ce 28 millions a dit que le contrat était formel et n'a pas été terminé par les libéraux. C'est un contrat de 5,2 milliards de dollars, encore une fois pour de l'énergie dont nous n'avons pas besoin.
comment ce gouvernement va-t-il payer pour ce 5,2 milliards de dollars? Les contribuables et les payeurs d'électricité pourraient devoir à payer pour ce scandale qui est 5 fois plus important que le scandale des centrales au gaz. J'aimerais avoir une question claire, une réponse claire plutôt à cette question sur ce scandale. Merci. Le ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de prendre la parole pour répondre à la question de l'opposition. La première ministre a parlé du fait que le tribunal a donné sa décision après cette dispute et avec ce 28 millions de dollars, qui est beaucoup moins que ce qui avait été demandé. C'était 568 millions de dollars qui avaient été demandés par Wind Street. Mais il est très intéressant que ce parti, il y a quelques semaines à peine, parlait de contrats pour l'énergie renouvelable qui auraient coûté des milliards de dollars à cette province. Mais au lieu de reconnaître que leur plan n'est pas un plan, qu'ils n'ont même pas de plan, nous avons éliminé le charbon, nous avons fait le gros du travail, nous sommes très fiers de ce que nous avons fait. Nouvelle question. Le chef de l'opposition. Ma question est pour la première ministre. Ce matin, la Chambre de commerce de l'Ontario a confirmé que la vie est plus difficile sous le gouvernement libéral. 38 % des petites entreprises disent que les coûts de l'électricité sont leur premier obstacle pour être compétitifs en Ontario. Et une petite entreprise sur trois dit que les prix d'électricité vont leur faire annuler des investissements et de l'expansion en Ontario. La première ministre et le gouvernement ont perdu encore une fois avec Windstream. Combien de petites entreprises vont devoir fermer leurs portes avant que cette première ministre ne réalise que les politiques énergétiques sont dangereuses pour l'Ontario? La première ministre, je sais que le ministre du Développement économique va vouloir parler à ce sujet, mais laissez-moi dire que nous sommes très sympathiques aux petites entreprises en Ontario et vous le savez, dans le discours du budget, nous avons dit qu'un des points importants de notre plan, c'était d'améliorer l'accès à l'initiative de conservation industrielle aux petites entreprises pour que non seulement les 300 entreprises qui ont eu accès jusqu'à maintenant n'y aient accès, mais d'autres également. Mais notre croissance économique partout en Ontario va au-delà de celle d'autres régions dans le pays et de l'Amérique du Nord. Presque tous les autres pays du G7 n'ont pas vu une telle croissance du PIB comme en Ontario. Nous allons mieux. Il y a des emplois qui sont créés dans la province par le secteur privé, incluant par les petites entreprises, à cause des conditions que nous mettons en place. Complémentaire. Pour retourner à la première ministre, ce n'est pas seulement des petits magasins en Ontario qui ont de la difficulté. Ce sont des entreprises qui emploient des gens bien formés. On dit que 40 % des employés, des employeurs ont de la difficulté à trouver quelqu'un pour leurs emplois qu'ils ont à offrir parce qu'il y a une différence entre les habiletés des personnes et les emplois. Pendant 13 ans, ce gouvernement n'a rien fait pour s'attaquer au problème, à ce problème en Ontario. Et la Chambre de commerce l'a dit. 40 % de ces emplois ne peuvent pas trouver preneur parce qu'on ne produit pas de jeunes professionnels qui ont étudié dans un domaine pour ces emplois. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que le gouvernement libéral va prendre ce conseil et faire quelque chose pour ce problème? La première ministre. Le ministre du Développement économique et de la croissance. Nous prenons ce conseil très au sérieux de la part de la Chambre de commerce. Nous travaillons en partenariat avec eux depuis une décennie pour que l'Ontario soit l'endroit le plus généreux en Amérique du Nord quant au travail avec les petites entreprises. Et il y a une raison pourquoi nous sommes un leader dans le G7 pour le PIB. Nos petites entreprises fonctionnent et notre capital a augmenté de 251 %. Nous travaillons de façon étroite avec la Chambre de commerce d'Ontario. Ils ont écrit un rapport qui est en ligne avec le travail que nous faisons. On dit qu'on fait du bon travail. Nous aidons les petites entreprises. Et nous allons continuer à travailler, à construire une économie qui nous rendra fiers pour nos enfants et nos petits-enfants.
Intervention du président. J'aimerais rappeler aux députés de ne pas montrer d'accessoires. Ça n'aide pas du tout. Complémentaire final. Pour revenir à la première ministre, d'entendre le ministre libéral dire que la Chambre de commerce soutient le gouvernement, pas du tout. Ils disent que le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut. Est-ce qu'ils ont vraiment lu le rapport? J'ai lu le rapport, alors je vais partager avec vous exactement ce que le rapport dit. On dit que les petites entreprises en Ontario, la moitié d'entre elles, pensent que l'Ontario va plus mal qu'il y a 5 ans. La moitié des petites entreprises. Est-ce qu'on se demande pourquoi elles se sentent comme cela? Cette province qui a plus de 300 milliards de dollars en dette, nous sommes les plus taxés, les deuxièmes plus taxés au pays pour les entreprises. Les jeunes ne passent pas en mathématiques et les entreprises ne peuvent pas trouver des jeunes pour remplir leurs emplois. Et le gouvernement pense que les choses vont bien. Vous tuez les petites entreprises de la province. Alors, au lieu de dire que tout va bien, est-ce que vous allez écouter, pour une fois, ce qu'a à dire la Chambre de commerce? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Le ministre, ce n'est que de la rhétorique qui nous vient de la part de ce chef. Vous n'avez aucun droit de parler de cette façon sur les petites entreprises de l'Ontario. Ce sont les meilleures en Amérique du Nord. Nos nouvelles compagnies émergentes sont les plus populaires en Amérique du Nord, ou même peut-être à travers le monde. Et quant au fait d'écouter la Chambre de commerce, nous l'écoutons, nous travaillons en partenariat avec elle. C'est pourquoi nous avons une taxe sur le capital qui a disparu en Ontario. Et c'est pourquoi nous avons fait baisser les taxes sur le revenu. Une entreprise en Ontario paie 13 % de plus qu'une compagnie locale. Et c'est pourquoi nous avons un fonds de développement du sud-ouest de l'Ontario ainsi que de l'est de l'Ontario. Il y a 32 000 personnes dans la province qui travaillent grâce à ce fonds. Et nous allons continuer à travailler avec la Chambre de commerce pour réduire le poids réglementaire. Nous sommes déterminés à travailler avec la Chambre de commerce. Intervention du président. Veuillez arrêter la pendule. Le ministre, quand je me lève, vous vous asseyez. Nouvelle question. Le député de Kitchener-Waterloo. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Est-ce que le gouvernement prévoit de privatiser cybersanté ainsi que les autres actifs? Aucune possibilité de privatisation de cybersanté. Le ministre a été clair. Nous voulons améliorer les services aux patients et ça fait partie de la stratégie numérique du gouvernement. Nous avons demandé de l'aide d'ETLA pour parler du réseau informatique et ainsi que toutes les questions de propriété intellectuelle ainsi que toutes les infrastructures dans lesquelles nous avons investi. Le mandat de cybersanté expire en 2015. Je crois que nous avons l'occasion maintenant de déterminer les conclusions sur les rapports, si des modifications doivent être apportées et la valeur des investissements consacrés jusqu'à ce moment-ci. Malgré tout, le ministre de la Santé a écrit à ETLA, a demandé de se pencher sur cybersanté à cause de son évaluation et de son expertise en actifs publics. Est-ce que l'évaluation des actifs publics signifie privatisation? Lorsque la première ministre a demandé à ETLA, on savait que c'était une façon de demander de vendre Hydro One. Est-ce que la première ministre veut cacher un autre plan pour privatiser le réseau cybersanté? Non, non, Monsieur le Président. Et je vais dire que 1 milliard de dollars en avantage aux Ontariens
en raison des investissements et 6 milliards de dollars en avantages cumulés depuis 2007. Monsieur le Président, oui, le ministre de la Santé a demandé à Ed Clark, à cause de son expérience, d'évaluer les investissements en santé. C'est une responsabilisation de notre part, mais on comprend la valeur de ces investissements et on recherche à mieux comprendre la valeur de ces actifs et d'avoir une nouvelle vision en matière d'investissement numérique. Dans la région de Waterloo, elle connaît très bien la situation. Elle sait très bien qu'il faut évoluer avec le temps. Voilà pourquoi il y aura une évaluation des actifs en santé. Les régions de la santé veulent savoir exactement la valeur de la facture d'électricité. Le 21 octobre 2015, elle était en chambre. Elle a dit, on ne vend pas Andrew One. Un mois plus tard, et que Ed Clark a dit que c'était du courage que de vendre Andrew One. Voilà pourquoi les gens ne croient pas que la première ministre veut avoir une autre mauvaise surprise sur les Ontariens. Est-ce que les Ontariens doivent-ils se préparer à un autre ventre de liquidation? Comme on l'a dit, le ministre de la Santé a demandé à M. Clark d'évaluer Cybersanté comme la LCBO, comme l'a fait M. Ed Clark, et les modifications avec les modifications de la loi sur les alcools. Et ainsi, cela a permis à la province de bénéficier de l'expertise. Il n'y aura pas de vente de ces biens. Nous allons nous pencher sur Cybersanté, les investissements qui ont été faits et les conclusions de ce rapport. Et comment pouvons-nous aller de l'avant et s'assurer que la population a la meilleure stratégie numérique en Ontario. La population le mérite. Il faut évoluer avec le temps et qu'il faut tirer avantage de toute la technologie qui est disponible pour s'assurer que ce sera à l'avantage des citoyens de la province. Député de Kitchener-Waterloo, la première ministre, il y a une différence entre la CBO et le dossier médical des Ontariens. C'est pas simplement les néo-démocrates. Jeudi, l'Association médicale de la santé a écrit à Ed Clark et s'est dit inquiète selon un article dans le journal et que le gouvernement veut vendre ses produits. Est-ce que le gouvernement va éliminer la possibilité de vendre les dossiers médicaux? Je suis très heureuse. J'ai reçu une lettre de Virginia Williams. Nous sommes d'accord avec la AMO. Et l'information des patients ne sera jamais vendue. C'est essentiel. Nous sommes tous d'accord. Mais dans le même temps, il y a des investissements qui ont été faits dans cybersanté. Et nous savons très bien que l'Inforoute sur la santé de Canada et que cela représente un avantage des Ontariens, un avantage à 6 milliards de dollars cumulés pour les Ontariens depuis 2007. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé, bien comprendre l'importance de nos investissements, comment on peut aller de l'avant et d'assurer les meilleurs services numériques en santé aux Ontariens. Voici le travail que l'on fait complémentaire. On ne peut pas blâmer la population pour manquer de confiance envers le gouvernement. Lorsque le gouvernement parle de privatisation, ce n'est pas seulement les néo-démocrates, l'Association médicale de la santé ou la Coalition de la santé. Nous sommes préoccupés que cet exercice sera d'avoir des profits, la privatisation des dossiers des patients, mais à risque la confidentialité des renseignements des patients. Le gouvernement va-t-il éliminer la privatisation des dossiers de santé? Oui, je l'ai fait. Oui, j'ai éliminé cette possibilité. Nous sommes d'accord avec la députée d'en face que l'information sur les patients, l'information sur la santé ne doit pas être compromise. Nous sommes d'accord avec l'Association médicale. On ne doit pas vendre ces renseignements. Dans le même temps, peut-être qu'on peut travailler avec d'autres, les hôpitaux ou d'autres secteurs, de s'inspirer de ces actifs, créer
par les investissements de l'Ontario et trouver une façon de mieux servir les patients. Nous avons un ministre de l'éducation postsecondaire qui a une stratégie. Nous voulons nous assurer que tout ce que l'on fait dans le secteur de la santé, c'est de dispenser de meilleurs soins numériques et de manière efficace aux Ontariens. Complémentaire final. Est-ce que ce gouvernement a dit qu'il n'allait pas vendre Hydro One et finalement le gouvernement a vendu Hydro One? C'est pas seulement les médecins, la coalition de la santé et les employés des hôpitaux disent que le gouvernement ne doit pas vendre ces renseignements. La première ministre n'a pas le mandat de vendre les dossiers médicaux. Les patients sont préoccupés, les travailleurs des hôpitaux sont préoccupés et les médecins sont préoccupés. Qui a donné à sa première ministre de privatiser les dossiers médicaux des Ontariens? Ministre responsable de la technologie, je suis clair, cybersanté n'est pas à vente. Les informations sur les patients ne seront pas vendues. Mais profitons de l'occasion pour parler de ce que nous avons fait, des avancées en cybersanté. Il y a 10 ans, plusieurs personnes avaient, on parle maintenant de 10 millions de patients qui ont accès. Les patients en traumatisme ont accès à des services 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Les consultations numériques, on parle d'1 million de visites chaque année. Les gens reçoivent les soins dont ils ont besoin en fonction de leur endroit et non pas en fonction de l'endroit du spécialiste. 3 milliards d'analyses de santé. Cybersanté a fait une différence dans les soins de santé, mais nous voulons nous assurer qu'on le fait pour les bonnes raisons. Nouvelle question. Député de Renfrew-Nipissing-Pembroke. Peut-être, première ministre, peut-être que vous allez demander au ministre des Infrastructures, je lui ai parlé de la poursuite de Windstream. Le député d'en face a dit que la certification, lorsque le cas sera déterminé, je pourrai répondre à la question. La question a été perdue et nous connaissons le résultat. Et nous savons que les Ontariens devront payer. 28. Windstream a dit que le contrat de 500 millions est toujours valide et qu'il y a toujours un autre poursuite de 650 millions de dollars de la part de Mason Power. Nous savons très bien que le coût des annulations à la hauteur d'1 milliard de dollars pour les centrales au charbon. Devons-nous payer encore à cause de vos programmes d'énergie qui ont été un fiasco? Première ministre, ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Je suis très content de répondre à la question de mon collègue. L'Ontario revoit la décision. Et nous savons également que le Canada fait de même. Nous avons été informés de la décision du tribunal. Et le tribunal a finalement rejeté toutes les autres prétentions. Et, Monsieur le Président, la décision de mettre un moratoire sur les projets éoliens extra-côtiers, nous allons continuer d'avoir une démarche avisée, c'est-à-dire de faire de la recherche pour protéger la santé et l'environnement. Merci, Monsieur le Président. Complémentaire. Et finalement, les conservateurs n'auraient jamais accepté d'avoir des projets éoliens extra-côtiers. Et si vous l'aviez fait, vous auriez évité ces fiascos. Et ce sont les contribuables qui échappent. Et finalement, le résultat final sera toujours plus dévastateur. On se rappelle, Trillium, une poursuite parce que le gouvernement, une fois de plus, a supprimé des courriels et a détruit des autres documents. C'est la façon. Et le gouvernement devra payer 5,2 milliards de dollars. Nous savons très bien que les centrales au gaz ont coûté 1 milliard de dollars.
va-t-il admettre que les contribuables devront peut-être payer plus des milliards de dollars de plus pour votre fiasco énergétique? Veuillez vous asseoir. Ministre. Merci, M. le Président. Une fois de plus, le gouvernement revoit les décisions de la Cour et nous revoyons également la situation avec le gouvernement fédéral pour la suite. Un député d'en face a mentionné qu'ils n'auront jamais investi dans les énergies renouvelables. Ils auraient investi dans le charbon sale. Nous avons éliminé le charbon. On a fait notre travail de ce côté. Nous sommes très fiers de notre bilan. Nous allons continuer à trouver une façon d'économiser de l'argent. Voilà pourquoi on ne dépense pas de nouveaux projets. Et finalement, ce parti d'en face n'a aucun plan énergétique. Il ne comprend pas très bien la situation. Nouvelle question. Député de Toronto, Danforth. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Centraide de Bruce Gray a dit qu'il y a une pauvreté énergétique dans le Nord. Lorsque les familles perdent l'hydro, ils perdent leur eau, leur toilette, les nécessités de la vie. Centraide a découvert que la facture d'électricité est de 700 $ par mois. Et finalement, on parle des arriérés, c'est de 12 200 $ et que l'allègement disponible qui se chauffe à l'électricité est de 600 $ Le mois dernier, le gouvernement a promis d'avoir un allègement, mais on sait maintenant que la plupart des familles dans les régions rurales n'auront pas accès à cet allègement. Le gouvernement va-t-il augmenter des situations d'urgence pour ces personnes? Ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. Je suis très fier de répondre à la question du parti, du troisième parti. Le taux rural est un enjeu parce qu'on entend depuis les derniers mois. Voilà pourquoi nous avons déposé une nouvelle augmentation. On parle de 330 000 familles auront accès à ce programme et ces familles verront des économies sur la facture d'électricité. Il y a également six programmes en place qui aideront ces familles. Les familles, les seniors, les personnes âgées dans les régions rurales qui se chauffent à l'électricité verront une diminution de 70 $ par mois, en plus des autres programmes disponibles, en plus du 20 % de diminution. Nous savons que c'est un problème. Nous sommes intervenus et nous avons réglé la situation. Une fois de plus, à la première ministre, les personnes qui utilisent le gaz naturel peuvent obtenir un rabais de 500 $ pour payer le gaz naturel. Ils peuvent obtenir un autre 500 $ pour payer la facture d'électricité. On parle d'un plan d'urgence de 1 000 $ pour ces familles où il y a le gaz naturel. Les familles du Nord et dans les régions rurales qui n'ont pas accès au gaz naturel, qui doivent se chauffer d'électricité, pour eux, c'est seulement 600 $ d'aide d'urgence. Les régions du Nord, les régions rurales ont déjà la facture d'électricité la plus élevée dans la province. Pourquoi est-ce que cette aide d'urgence plafonne-t-elle à 600 $ de moins que dans les régions urbaines? Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député honorable pour avoir souligné ces éléments. Nous recherchons des solutions pour aider ces familles. Et qu'il y a le programme LEAD, on parle du 600 $ disponible pour les familles, mais il y a également du côté électrique jusqu'à 75 $ par mois pour les seniors et personnes âgées qui se chauffent à l'électricité. Ce sont l'ensemble des familles dans les régions rurales éloignées. Et en outre, du rabais, du congé de taxes. Nous voulons nous assurer qu'on aide les familles dans ces régions, mais nous voulons nous assurer de trouver d'autres solutions pour aider ces familles. Ça fait partie de mon mandat. Depuis que je suis ministre, depuis plus de 100 jours, nous allons continuer à trouver des solutions pour aider les familles à l'échelle de la province. Député de Kitchener Centre. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement et de l'Action climatique. Nous savons que l'eau
est essentiel. Il y en a beaucoup en Ontario pendant l'été. Les collectivités locales de l'Ontario ont connu la sécheresse. Et dans cette région, la situation a été très triste. Et nous sommes préoccupés par la sécurité de l'approvisionnement en eau potable. Le gouvernement a annoncé que le gouvernement va se pencher sur la gestion de l'eau potable en Ontario. C'est un enjeu important pour les Ontariens. Nous voulons nous assurer qu'on s'attaque à ce problème en adoptant une démarche probante pour tenir compte de la préoccupation de la population. Est-ce que le ministre a informé la Chambre sur l'information de cette annonce? Ministre de l'Environnement et responsable de l'action climatique. Je voudrais remercier la députée parce qu'elle a joué un rôle important. Elle vient d'une région où l'eau n'est pas toujours disponible, ainsi que la présidente du Conseil du Trésor. On sait très bien, lorsque la première ministre le demande, les choses avancent vite. Il y a eu un moratoire de 10 ans pour s'assurer qu'il n'y a aucun nouveau projet d'augmentation de la capacité pendant qu'on revoit en détail concernant les enjeux qui ont été soulevés par les réchauffements climatiques. C'est important pour les résidents, les fermiers et autres entreprises. Les règles vont également tenir compte de l'eau, du pompage de l'eau, et nous allons diminuer les permis de 10 ans à 5 ans. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le ministre. Je sais que pour lui, c'est important. L'annonce aujourd'hui fait la preuve que le gouvernement s'engage à protéger l'environnement, particulièrement en fonction des ressources en eau potable. Nous sommes l'endroit où l'eau est mieux protégée en Amérique du Nord. C'est à cause de nos normes très sévères, de projets de loi générale qui protègent les ressources hydrique. Et il y a également des programmes de sécurité. Nous voulons ajouter des normes encore plus sévères. Est-ce que le ministre peut donner plus d'informations et comment on peut encourager les Ontariens à utiliser et à boire l'eau potable qui est pratique, qui est sécuritaire? Ministre. Merci, Monsieur le Président. On devrait dire bravo à toutes les municipalités et à toutes les ressources en eau potable parce que nous avons la meilleure eau potable peut-être dans le monde et ça fait longtemps. Mais nous avons également une eau potable qui est très économique. À ce moment-ci, c'est parmi les moins chères dans le monde. Nous allons refaire l'examen du coût de l'évaluation. Nous allons nous pencher également sur les sources hydriques parce qu'un grand nombre de personnes utilisent l'eau, c'est-à-dire pompent l'eau et ne la retournent pas, alors que d'autres la pompent et la retournent. Il faut bien comprendre la situation et le prix et les défis auxquels font face certaines régions comme Cambridge pour s'assurer qu'on ait de normes plus sévères et que la tarification comprend la conservation. Député de Lambton-Camp-Middlesex, nouvelle question. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique et de la croissance. Le Toronto Sun du samedi a fait un article sur les manufacturiers qui ont formé une coalition afin d'affronter les politiques de ce gouvernement libéral, les politiques qui mettent à risque de bons emplois alors que l'Ontario n'est plus viable pour des entreprises telles que les leurs. Cette coalition croît rapidement et représente déjà des milliers de bons emplois partout dans la province. Monsieur le Président, Jocelyn William Benford, membre fondatrice de cette coalition, a dit, et je cite, « Nous ne nous inquiétons pas de notre concurrence puisque nous avons peur du gouvernement maintenant. » Comment est-ce que le ministre peut continuer à appuyer des politiques ou qui fait en sorte que les entreprises dépensent plus de ressources, qui empêchent les entreprises de croître dans la province de l'Ontario? Comment justifie-t-il cela? Le ministre du Développement économique et de la croissance.
Monsieur le Président, aucun autre gouvernement n'a appuyé notre communauté des affaires autant que le nôtre. Nous aidons les entreprises et si on compare ce qu'a fait le parti de l'autre côté, nous avons diminué le fardeau réglementaire. Monsieur le Président, nous continuerons à travailler avec ce secteur. Mais je vais vous dire quelque chose d'autre, Monsieur le Président, que ce parti n'appuie pas. Nous travaillons avec notre secteur automobile et nos manufacturiers afin de s'assurer qu'Oshawa ait un avenir grâce au partenariat que vous n'appuyez pas, mais que nous appuyons. L'usine de Brampton a un avenir parce que nous avons fait des investissements, Monsieur le Président. Un élément que ce parti et son chef qualifient de bien-être pour les entreprises. Monsieur le Président, nous allons continuer à mener la croissance auprès des entreprises. Merci, complémentaire. Monsieur le Président, encore au ministre. La coalition des manufacturiers inquiets envoie un message clair à ce gouvernement. Tant qu'elle ne va pas nous donner de l'argent, au moins ne nous mettez pas des politiques sur le dos qui nous empêchent de proliférer. Cette coalition veut des politiques qui ne sont pas créées pour les rendre complètement extinctes. Monsieur le Président, nous avons perdu des milliers d'emplois bien payants. N'est-il pas temps d'admettre que les politiques de ce gouvernement et de politiques à haut tarif d'électricité a mené à des centaines d'entreprises qui ont quitté cette province? N'est-il pas le temps de l'admettre? Réponse. C'est plutôt le contraire, Monsieur le Président. J'étais à une mission d'investissement en Californie dernièrement. Quatre de ces entreprises viennent s'installer ici, planifient s'installer ici dans un avenir rapproché. Monsieur le Président, elles viennent ici parce que nous avons de meilleurs talents. Nous avons investi dans notre talent, Monsieur le Président. Ils viennent ici parce que nous avons des coûts bien moindres que leur propre État. Monsieur le Président, dans certains cas, nous parlons de 40 à 60 % de moins. Ils viennent ici, Monsieur le Président, parce que nous sommes en partenariat avec notre communauté des affaires. Nous travaillons en partenariat avec eux. Intervention du Président. C'est la deuxième fois que je vous avertis, député de Renfrew. Veuillez terminer. Monsieur le Président, comme je l'ai dit, nous continuons à écouter notre communauté des affaires, nous continuons d'écouter nos PME, nous continuons à travailler avec la communauté afin que l'Ontario soit l'endroit le plus concurrentiel en Amérique du Nord. Nouvelle question, député d'Essex. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Plus tard aujourd'hui, Ryerson University publiera une étude qui s'appelle « La crise publique en Amérique du Nord ». On parle ici de ce qui arrive avec les emplois précaires et les répercussions de ces emplois ici en Amérique du Nord. Certaines personnes gagnent moins de 3 $ l'heure. En 2016, Monsieur le Président, est-ce que la Première ministre s'engagera aujourd'hui à augmenter le salaire minimum à 15 $ l'heure et s'assurer que les emplois à temps partiel, en situation précaire, obtiennent le même salaire pour le même travail qu'ils font au ministre du Travail. Très importante question, merci. Certainement, de ce côté de la Chambre, nous réalisons que les employés méritent d'être traités de façon juste et ils ont aussi le droit de travailler dans un milieu de travail sécuritaire. En tant que gouvernement, nous nous engageons à donner la meilleure protection à ces employés. Et nous reconnaissons que beaucoup de gens ici dans cette Chambre ont mentionné qu'une meilleure protection, c'est quelque chose qu'il faut étudier pour ces gens qui travaillent dans les agences de travail temporaire. Et, Monsieur le Président, c'est la raison pour laquelle nous avons changé une étude pour le changement du milieu de travail afin d'étudier vraiment toutes les questions qui affectent les travailleurs ontariens aujourd'hui. Alors que l'économie change, nous consultons maintenant avec les entreprises, nous consultons les groupes de défense des droits des travailleurs, les employeurs, et vendredi dernier, c'était la dernière journée de consultation. Dès que le rapport sera publié, il y aura des recommandations à suivre pour le gouvernement, et vous savez quoi? Nous verrons certainement de bonnes discussions se produire ici et de grands changements nécessaires. Complémentaire. Les néo-démocrates ne croient pas que 3 travailleurs sur 10 dans cette province devraient avoir de la difficulté dans des conditions que les recherchistes qualifient d'esclavage moderne. Il est temps de donner aux travailleurs temporaires le même salaire que les travailleurs à temps plein. Si vous faites le même travail, vous devriez avoir le même salaire. Les gens veulent un avenir pour leur famille, ne veulent pas compromettre leur bien-être et méritent de savoir qu'il y aura un avenir là pour la prochaine génération. Est-ce que la Première ministre écoute
mettra l'épreuve, verra l'épreuve et s'assurera que les travailleurs à temps partiel et saisonniers recevront le même salaire pour le même travail. Le ministre du Travail. Monsieur le Président, je vous remercie encore une fois le député de cette question très importante. Notre étude sera publiée. Nous voulons protéger les employés ainsi que les entreprises. C'est quelque chose que chacun ici dans cette chambre veut. Nous avons consulté chaque secteur de notre entreprise qui nous ont donné leurs meilleurs conseils. Et ce sont des rapports tels que ceux qui ont été cités par le ministre, par le député de l'autre côté, qui sont importants. Il faut les lire, ils sont nécessaires. Et nous avons besoin de cette étude en profondeur. La consultation ATM prit fin vendredi dernier. Et nous avons entendu parler les gens des groupes de défense des droits des travailleurs, des entreprises, des grandes entreprises, des PME, les employeurs, les employés. Monsieur le Président, nous avons bien de voir leurs recommandations et de voir le contenu de ce rapport afin d'aller de l'avant. Député de Kingston et les Îles. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Services sociaux et communautaires. Monsieur le Président, aujourd'hui, c'est la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Aujourd'hui, c'est une possibilité pour nous de reconnaître l'effort des gens et les problèmes des gens qui vivent dans la pauvreté et de faire entendre leurs inquiétudes. Des centaines de milliers de personnes partout dans le monde vivent encore dans la pauvreté. Toutefois, il est important pour nous de reconnaître que la pauvreté n'existe pas seulement à l'extérieur de nos frontières. Des centaines de milliers de Canadiens vivent aussi dans la pauvreté. Je sais que ce gouvernement s'engage à éliminer la pauvreté chez les jeunes. On veut aider les gens à avoir une sécurité de revenus et à mettre fin à l'itinérance en Ontario. Monsieur le Président, est-ce que la ministre pourrait informer la Chambre du progrès de l'Ontario sur la réduction de la pauvreté? La ministre des Services sociaux et communautaires. Merci, Monsieur le Président. Merci à la députée de Kingston et les Îles pour sa question. Je suis très heureuse de prendre la parole aujourd'hui de la part du ministre responsable pour la stratégie de réduction de la pauvreté pour souligner notre progrès. En 2015, nous avons indexé la prestation pour les enfants à l'inflation et nous avons donc vu une augmentation de à 1 336 $ qui appuie plus d'un million d'enfants dans des milieux de familles. De plus, par le programme Beau Sourire Ontario, nous avons donné un accès à des soins dentaires gratuits à des milliers d'enfants qui vivent dans la pauvreté. Évidemment, il n'y a plus de travail à faire et nous allons continuer à travailler avec tous nos partenaires, incluant les entreprises, les collectivités, les groupes de défense des droits des gens de façon significative afin d'éliminer la pauvreté. Complémentaire. Merci, Madame la ministre. Je suis très heureuse d'entendre que le progrès que notre gouvernement fait pour diminuer la pauvreté en Ontario est efficace. Je comprends que le quatrième pilier de la nouvelle stratégie de réduction de la pauvreté en Ontario est d'investir dans des programmes fondés sur les données scientifiques. Par le Fonds de réduction de la pauvreté, notre gouvernement travaille avec les partenaires afin de financer des programmes ainsi que des interventions qui fonctionnent pour les gens. En 2015, l'Ontario a investi 12,6 millions de dollars dans 41 projets locaux dans 21 communautés. Ma communauté est l'une de ces communautés qui ont vu les résultats de ces investissements dans nos collectivités. La semaine dernière, j'ai eu la possibilité d'annoncer un investissement dans le logement de 4 165 000 $ dans ma communauté. Est-ce que le ministre peut partager plus l'information concernant ce fonds de réduction de la pauvreté? La ministre, merci. Afin d'appuyer la stratégie de réduction de la pauvreté fondée sur les politiques sociales, fondée sur les données scientifiques, nous avons attribué un fonds distinct. Nous évaluons ici la réussite des programmes et l'un des récipiendaires de ce fonds était Foodshare Toronto. Cet organisme travaille avec les collectivités et les écoles afin de fournir de la nourriture saine et une éducation sur l'alimentation dans les écoles. Ainsi, nous serons en mesure de déterminer si les programmes permettent d'avoir un meilleur accès à des aliments frais. Et nous savons aussi qu'il est aussi important plus important que la normale,
de travailler à cet effet. Nous avons annoncé en 2000, nous annoncerons plutôt le récipiendaire 2016 au cours des prochaines semaines. Nouvelle question, la députée de Flamborough. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. La semaine dernière, on a montré à quel point on est déconnecté de la province. La Première ministre a engagé de très mauvais acteurs pour dire à quel point l'environnement se porte bien. Mais, Monsieur le Président, tout ce qui importe à la Première ministre, c'est son plan de taxes, de plafonnement et échanges qui retire encore plus d'argent des poches des contribuables afin d'utiliser cet argent pour faire des affaires en Californie. Est-ce que la Première ministre s'excusera auprès de la population pour ces commentaires inexcusables qu'elle a fait la semaine dernière? La Première ministre, j'ai dit publiquement au moins deux fois que je n'aurais pas dû utiliser les mots que j'ai utilisés. J'ai utilisé ces mots dans une intention particulière et ce n'était pas pour insulter les gens. En tant que Canadien, qu'Ontarien, nous avons beaucoup de travail à faire. En tant que population d'un pays du Nord industrialisé, nous avons une grande empreinte en carbone. Les Ontariens ont mené la voie, nous avons mis fin à toute la production d'électricité au charbon. Nous avons un réseau d'électricité 90 % sans émissions. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a plus à faire et nous continuerons à mener en tant qu'Ontarien et en tant que Canadien, maintenant que le gouvernement canadien veut enfin travailler avec nous, nous pourrons enfin avoir de l'aide fédérale. Intervention du président, asseyez-vous, s'il vous plaît. Complémentaire. Encore à la Première ministre, Monsieur le Président. Je n'ai pas entendu d'excuses ici. La vie est de plus en plus difficile sous la supervision de cette Première ministre. Les PME demandent pourquoi est-ce qu'ils doivent continuer à payer pour le service de retraite de la dette d'ici 2018 alors que ce frais ne se retrouve plus sur les factures d'électricité résidentielle. Nous voyons les vrais coûts ici du plafonnement et échange, mais la Première ministre a décidé de ne pas montrer ce frais sur les factures. C'est les libéraux qui sont de mauvais acteurs, Monsieur le Président. Est-ce que la Première ministre fera la chose honorable et s'excusera auprès de la population pour ses commentaires disgracieux? Intervention du Président, asseyez-vous, s'il vous plaît. La Première ministre, je suis très désolée que j'ai utilisé ces mots. Je l'ai dit plusieurs fois. Je n'aurais pas dû les utiliser. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en tant qu'Ontarien, que Canadien, nous avons beaucoup à faire. Notre empreinte de carbone est importante et je m'inclus dans cette notion. Nous, en tant qu'Ontarien, nous vivons dans un pays du Nord développé. Nous avons une grande empreinte sur le plan du carbone et on ne peut rester assis à ne rien faire. Nous avons été appuyés par la population dans la fermeture des centrales électriques au charbon. Monsieur le Président, nous avons toutefois plus à faire. Et ce que je dirais au parti de l'autre côté, c'est que j'espère qu'il comprend que nous travaillons de façon collective et que nous avons tous une responsabilité de diminuer notre empreinte de carbone pour diminuer les gaz à effet de serre, parce que c'est la responsabilité de cette génération, la responsabilité mondiale de faire ce qui est en notre pouvoir afin d'assainir l'air. Nouvelle question, député d'Algoma-Manitoulin. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à vous. Ma question s'adresse à la Première ministre. Les gens du Nord utilisent plus d'électricité parce qu'ils n'ont pas accès au gaz naturel. Et ils paient aussi parmi les plus hauts tarifs d'électricité. En plus de cela, maintenant, certaines familles sont frappées par des frais d'évaluation foncière. Par exemple, à Walker's Leak, le prix des maisons a triplé, doublé en valeur au cours des 4 dernières années. J'ai un aîné qui m'a parlé, qui a un revenu fixe et son évaluation est passée de moins de 80 000 $ à plus de 188 000 $. Ça n'a aucun sens. Ils ne peuvent se permettre de payer autant. Est-ce que la Première ministre enquêtera l'impact de ces réévaluations dans le Nord?
La première ministre. Oui, il y a eu d'autres situations, des situations anormales où il y a eu des répercussions, il y a eu des problèmes, entre autres, sur les tarifs industriels. Et certainement, nous allons évaluer la situation. Je n'ai pas tous les détails présentement concernant la situation mentionnée par le député de l'autre côté, mais j'aurai une rencontre avec le ministre des Finances et nous évaluerons la situation. Complémentaire. Merci, M. le Président. Madame la Première ministre, ces maisons ne sont pas liées aux eaux municipales ou les services municipaux. Ces familles doivent transporter leurs déchets au dépotoir. Aucun agent immobilier dans le Nord n'évaluerait ces maisons à un tel prix. Nous avons besoin d'experts qui aideront à gérer ces défis. Ces familles ne sont pas riches, elles ne peuvent pas se permettre de payer des avocats. Et franchement, Madame la Première ministre, elles ont peur. Est-ce que le gouvernement agira afin d'aider les familles dans le Nord qui sont frappées de plein fouet par les impacts de ces évaluations? La Première ministre, comme je l'ai dit dans ma réponse, nous allons certainement étudier la situation. Je sais qu'il y a eu des situations telles que celle-ci où nous avons vu une réévaluation systémique qui devait avoir lieu. Nous travaillerons avec le ministère des Affaires municipales afin de vraiment juger ce qui se passe, de voir s'il doit y avoir une solution systémique, mais nous allons faire un suivi. J'espère que le député de l'autre côté nous donnera l'information qu'il a afin de pouvoir étudier la situation. Nouvelle question. Nouvelle question. Député d'Etobicoke Lakeshore. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration. Monsieur le Président, nous avons une communauté de plus en plus importante dans ma circonscription de Canadiens musulmans. Cette communauté a participé grandement au tissu culturel de notre province et ont aidé sur le plan humanitaire et médical. Et plusieurs des membres de cette communauté ont reçu l'Ordre de l'Ontario, le plus grand honneur ici dans la province. Nous avons adopté un projet de loi qui reconnaît le mois d'octobre comme étant le mois du patrimoine islamique en Ontario. Monsieur le Président, comment est-ce qu'on permettra aux Ontariens de souligner la contribution des Canadiens qui sont de foi musulmane? La ministre des Affaires civiques et de l'Immigration. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le député d'Etobicoke Lakeshore pour son excellente question. La diversité a toujours joué un rôle très important dans la culture ontarienne ainsi que dans son patrimoine. Notre province notre province abrite plus de 50 % de la population musulmane au Canada. Je suis très heureuse de servir cette communauté. J'ai une relation avec plusieurs Canadiens musulmans qui participent dans plusieurs événements que nous tenons. J'ai eu l'honneur, entre autres, de participer à un barbecue à une mosquée locale. En proclamant le mois d'octobre comme le mois du patrimoine islamique, la province de l'Ontario reconnaît l'intervention du président. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la ministre de sa réponse. Notre gouvernement s'engage à sensibiliser les Ontariens au patrimoine et à la culture des Canadiens musulmans. Mais le racisme systémique crée des défis pour ces personnes. En tant qu'Ontarien, nous savons que nous avons réalisé des progrès sur le plan de la diversité et l'inclusion, mais nous avons encore du travail à faire en ce qui concerne le potentiel de ces groupes. Est-ce que la ministre peut parler des efforts du gouvernement qui s'attaquent au racisme, y compris l'islamophobie en Ontario? Merci. Encore une fois, je voudrais remercier le député de sa question. Monsieur le Président, si vous me le permettez, j'ai une rhume.
Donc, ce mois est nous donne l'occasion de sensibiliser les gens à l'histoire riche de cette culture, mais aussi de lutter contre l'islamophobie, de reconnaître que le racisme systémique crée des obstacles pour ces personnes en Ontario. C'est pour cette raison que nous avons nommé l'honorable Michael Cotto en tant que ministre de la Direction contre le racisme, qui sert à sensibiliser les gens au racisme et pour que l'Ontario soit plus inclusive. Nous utilisons un point de vue antiraciste en ce qui concerne les politiques gouvernementales. Notre gouvernement s'efforce à s'attaquer au racisme et d'après nous, tous les Ontariens devraient se sentir en toute sécurité et devraient être en mesure d'atteindre leur plein potentiel. Nouvelle question, député de Thornhill. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Monsieur le Président, jeudi dernier, un camion a eu une collision sur l'autoroute à 4 heures du matin. Des milliers de navetteurs étaient forcés de s'immobiliser. Donc, c'était à 15 heures que le dégât a été éliminé. Les autres villes ont des plans adéquats pour s'attaquer aux problèmes créés par de telles collisions. Mon projet de loi privé s'attaque à ces préoccupations et à l'appui de tous les acteurs du milieu. Est-ce que le ministre pourrait nous parler? Combien de fermetures d'autoroutes se produiront avant qu'il ne mette en place ces recommandations? Ministre des Transports, merci. Je remercie le député Thornhill de sa question. Je suis au courant du fait qu'elle a déposé un projet de loi à cet effet. Il y a eu des discussions quant à ce projet de loi. Et donc, cette députée est au courant, je l'ai dit à plusieurs reprises, l'entretien des autoroutes est la première priorité du ministère des Transports. C'est pour ça que nous nous sommes efforcés au cours des 13 ans et nous avons fait en sorte que nous sommes classés premiers sur le plan de la sécurité des autoroutes, mais nous n'allons pas nous reposer sur nos laurels. Il nous incombe d'assurer la performance et la sécurité de cette autoroute. Je serai content de fournir des renseignements supplémentaires dans la réponse complémentaire. Nous n'avons pas besoin d'autres renseignements, mais nous devons mettre en place le groupe de travail. Le ministre a été interviewé jeudi la semaine dernière et il nous a dit qu'il faisait tout dans son pouvoir pour que l'autoroute serait ouverte. Mais d'après moi, la performance avait l'air d'une comédie. On lui a demandé pourquoi est-ce que nous n'utilisons pas des meilleures technologies comme en Floride, là où des équipes particulières s'occupent de certains tronçons de l'autoroute et n'ont que 90 minutes pour ranger les voies. Est-ce que le ministre avouera que cet accident a été inacceptable? Et est-ce qu'il mettra en place un groupe d'experts pour s'attaquer aux perturbations de nos autoroutes? Le ministre, merci. Je remercie la députée d'en face. J'ai oublié de dire que le ministère des Transports travaille en étroite collaboration avec les forces de l'ordre afin de nous permettre de rouvrir les tronçons d'autoroutes touchés par des accidents. Je voudrais dire que le ministère des Transports, nous apprécions le travail des premiers intervenants en ce qui concerne leur travail sur les autoroutes. Notre priorité devrait être la sécurité des usagers de la route. Nous ne prenons pas de décision unilatérale en ce qui concerne l'idée de rouvrir une autoroute. Nous le faisons avec la PPO. La PPO est mieux en mesure de prendre cette décision. Mais quand même, je comprends les préoccupations de la députée et j'ai hâte de poursuivre nos discussions en matière des autoroutes et la sécurité là-bas.
La circulation à Hamilton devient de plus en plus pire. Les gens n'ont pas beaucoup de temps de passer avec leur famille. Un endroit très difficile, c'est là où le Red Hill Parkway et le QAW réunissent. Il y a eu un rapport sur le bureau du ministre pendant 4 ans, mais 9 ans plus tard, il n'a pas encore agi. Quand est-ce que la province lancera son moteur et quand est-ce qu'il accordera une priorité à ce problème? Ministre des Transports. Merci. Je remercie le député de Hamilton de sa question. Au sein de ce parti, les investissements importants dans les autoroutes, c'est quelque chose qui est très important pour moi en tant que ministre et pour tous les membres de notre parti. Je dois dire qu'entre 2016 et 2017, nous investirons environ 3 milliards de dollars dans les autoroutes et les ponts de la province. Je voudrais dire que ce chiffre comprend 1,6 milliard de dollars pour les autoroutes du Sud. Je suis au courant des défis à Hamilton et dans le Grand Toronto. Je l'ai entendu parler à plusieurs reprises. Nous allons continuer de collaborer avec les municipalités et les usagers de la route pour s'attaquer à ce problème. Et nous aurons des mises à jour bientôt. Complémentaire. Il y a des maisons qui sont en train d'être construites à Stony Creek et Grimsby. La circulation sera encore pire. Le Lincoln-Alexander Parkway et d'autres routes sont très importantes pour les gens de cette région. Le conseil municipal de Hamilton a demandé à la province d'atténuer cette circulation. Est-ce que le ministre s'engagera à faire une évaluation environnementale dans cette région? Merci. Je remercie le député de sa question. Nous continuons de travailler avec la municipalité afin de commencer ces projets. Mais je voudrais mettre l'accent sur le fait que le gouvernement ontarien a pris un engagement extraordinaire en ce qui concerne l'appui des élargissements aux autoroutes, mais à la fois nous investissons dans le transport en commun. À Hamilton, par exemple, nous venons d'annoncer il y a quelques mois que nous élargirons le service du réseau GO jusqu'à Niagara Falls. Et entre-temps, nous construirons une toute nouvelle station à Stony Creek. Et il devrait être au courant du fait que la province investit 1 milliard de dollars dans le projet de TRL de Hamilton. Nous comprenons donc les défis à Hamilton. Député de Haldeman-Norfolk, rappel au règlement. Merci. Merci. Il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard. Député de Haldeman-Norfolk invoque le règlement. J'informe regrettablement l'Assemblée que Peter Preston, élu en 1995, nous a quittés. Nos condoléances sont avec la famille de Peter. Il n'y a pas de vote différé. Les travaux de la Chambre reprendront à 13 heures.